Bonjour, mon nom est Philippe Dutrum et je vous souhaite la bienvenue à cette minute technique utilitaire qui portera sur la création d'un menu, en général situé à gauche de l'espace de travail SolidWorks, que l'on nomme Property Manager Page. Ce type d'interface particulier à SolidWorks permet d'éviter les boîtes de dialogue qui peuvent être gênantes dans l'espace de travail, d'avoir l'air plus intégré au logiciel, entre autres. Elle possède cependant l'inconvénient, contrairement aux formes habituelles de Visual Basic, de devoir être bâti de toutes pièces avec du code manuscrit. Tout d'abord, il est à noter que ce type de programmation requiert un module nécessaire au lancement de l'application, un module de classe qui servira à la construction de l'interface, un second module de classe qui servira à traiter les données passées à l'interface. Il faut également charger la librairie SolidWorks 2000XX Exposed Type Library for Add-in Use. Je ne passerai pas à travers tous les types de contrôles. Vous trouverez un bon exemple de Property Manager Page dans l'aide de SolidWorks, mais voici en gros ce à quoi ça ressemble. Un numéro qui permettra d'identifier le contrôle lors de sa sélection. Le type de contrôle, un texte d'identification, une position d'alignement, le contrôle des options telles que la visibilité, l'accessibilité, l'expansion, pour un groupe d'options, le texte d'aide. On peut également, si on le souhaite, définir une position pour, par exemple, mettre deux boutons sur la même ligne. Une fois l'interface bâtie, elle peut être lancée à partir d'une macro. Contrairement aux formes traditionnelles qui peuvent être en quantité supérieure à 1 dans une programmation, il n'y a qu'une seule Property Manager Page. Pour, par exemple, passer d'une page à l'autre, il faut masquer et afficher les différents contrôles. Et l'action finale, en général, se produit sur le bouton OK. Elle pourrait également se produire sur les autres contrôles, mais elle donne à ce moment la possibilité à l'utilisateur de revenir en arrière pour annuler son action. Merci!